Une étonnante rencontre pour refermer ce journal régional avec l'artiste, peintre, graffeur bordelais Jean Rouble, passé de la rue au prestigieux espace d'exposition de l'Institut Magret. Titre de l'expo, Zone Blanche, l'endroit où le portable ne capte plus. C'est tout un programme artistique sous le regard de Gilles Coulon et Nicolas Précicot. Jean Rouble, artiste, peintre, graffeur. J'ai 38 ans et je vis et travaille à Bordeaux. Et je viens du graffiti, même si ce que je présente ici ne peut plus être qualifié en tant que tel, mais j'ai conservé l'outil. Donc je suis peintre à la bombe. Je travaille à partir de photos. Ce sont mes propres photos, je connais tous les modèles, parce que je tiens aussi à la relation entre le modèle, l'œuvre et moi-même, et l'histoire qui va avec. Mais à la base, il y a une photo, et elle n'est pas collée, je n'ai pas peint par-dessus, j'ai tout reporté sur des planches de bois que je découpe et que je peins en suivant. Ce ne sont pas des photos. Celle-ci, je l'ai appelée zone blanche, puisque la zone blanche est la zone où on n'a pas de réseau du tout, en fait, hein, en téléphonie, en internet, pour recréer cette espèce d'attente, les yeux rivés vers le ciel, quoi, un peu comme une image pieuse où on attend un signe venant d'en haut. J'ai fait des parallèles avec des tableaux classiques, des tableaux de Rembrandt, de Zurbarán, du Caravage ou de Georges de Latour par exemple, et je m'en suis inspiré pour recréer des compositions et remettre en parallèle la symbolique de la lumière, qui était à l'époque la flamme de la bougie, et que j'ai remplacée par des écrans, des objets connectés. Il y a des amis, il y a des gens de ma famille, il y a des gens très proches, des gens que j'ai croisés juste une fois ou deux. Et oui, c'est l'humain après qui m'importe. Souvent, je me fie un petit peu à la rencontre, au regard, à la manière dont la rencontre va se dérouler. C'est souvent ce qui m'inspire pour créer les tableaux.